Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, sur The Last of Us Part 2. C'est parti, on s'est arrêté ici au théâtre. Dina elle fait dodo, je sais pas si elle veut se réveiller. Dina? Non, bon, Dina se repose. On sait qu'elle est enceinte et tout, t'as vu. Donc attendez, on va faire un petit check de l'inventaire. Ouais, bon. On a le silencieux. On est toutes les armes sont chargées, ouais. Bon, faut que j'utilise tout ça là, parce que j'utilise rien en fait. Ça c'est mon truc à moi, j'utilise pas parce que j'ai peur de manquer d'équipement à chaque fois. Donc on va peut-être essayer d'utiliser un petit peu plus nos notre équipement. Et puis voilà. Bon bref, let's go. On va fouiller un petit peu, voir ce qu'il y a dans le théâtre. Qu'est-ce qu'il est stylé ce jeu? Ouais, on peut monter, on peut aller à gauche aussi. Ici, on peut y aller, ouais. Y a rien à récupérer. Encore une note. Cassandra. Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Il y a rien dans les toilettes. Faut fouiller, faut fouiller. Pipi pipi pipi. Ah, je suis en joie là de jouer. Ouais, je suis en joie. Ouais. C'est bien, on a tout. Ouais, bon, on va juste récupérer quelques petits trucs et puis ça ira. Je vais aller voir en haut peut-être avant d'ouvrir la porte là. C'est pas la première fois qu'on te cache des choses, Ellie, j'ai envie de te dire. Avec Perez, nanana, fais pas encore ce côté sortir dans les toilettes. Ok. Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Ce que j'allais dire, je pense qu'il va encore avoir des. Il doit rester désinfecté. Désinfecté. J'aime pas quand on me dit que je peux pas ramasser, c'est frustrant. Moi j'ai envie de tout ramasser. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Ouais. Ah, attends, faut que je fouille. Faut pas que j'oublie, il y a encore la porte en bas là. Je m'en doutais. Je m'en doutais! On en a ramassé, bien sûr. On en a ramassé quand même pas mal, hein, des cartes. Bon, je pense qu'on en a oublié plein, mais. On en a ramassé pas mal déjà. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ils reviendront pas se sauver de quelque chose. C'est pas que si j'ai l'impression que donc va falloir aller sur le toit. Je peux pas mais ah, je crois que je pouvais. Non, je suis déjà. En fait, je suis à fond là. Je suis carrément à fond de chez fond. À part mon bâton qui va bientôt lâcher. Bon, on ira en bas après. Faut pas que j'oublie. J'ai même pas fait attention à l'animation de la capuche. C'est clair qu'en termes d'animation des persos, je suis toujours autant impressionné, n'empêche. C'est.
C'est propre. Là, je peux pas y aller là-bas. Oh. Oh, mec. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. Oh, un petit brin d'humour, ouais. Faire un appel à radio, t'es sérieux? On va pas appeler les autres, hein? Toujours mon arme, on sait jamais. Même une bouteille, ça peut faire le taf. Ah, c'était pour ça la clé, ok. Ok. D'accord. C'est joli. C'est joli. Bon, par contre, faut pas que je fasse l'erreur que je vais devoir faire là tout de suite. C'est fouillé partout là. Ah non, ça on peut pas passer. Wow. Ouf. Sinon j'aurais fouillé partout. Ça t'aurait plu de regarder un film ici. J'avoue. Par contre, comme j'ai dit, hein, moi il y a intérêt à ce qu'on revoie Joël. Hein, parce que. Même pas longtemps, hein, mais moi je veux le voir. Je veux le voir. Flippant. J'y crois pas. Ah, on va pouvoir jouer de la guitare. Yes. Tout caché. Se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est?
Ouais. Putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Ah. Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons? Ça, j'en sais rien. On dit une portée. C'est débile. C'est pas une portée de chatons. Ok, ok. Une montgolfière. Avance, au lieu de parler. Putain, il a fallu que j'en parle. Je voulais juste ça, moi. Je voulais juste ça. Je revois mon cher Joël. J'incarne Ellie petite. C'est... Je l'ai dit, hein, je vous ai bassiné avec ça sur mes lives, sur le multi. La seule chose que je voulais à tout prix, enfin, il y avait plein de choses que je voulais, mais déjà, c'était qu'on commence par Jackson. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, j'étais heureux. Et ça là, ce que j'ai là, c'est exactement ce que je voulais. Donc en fait, voilà, je peux pas. Putain, j'en ai des frissons, c'est incroyable. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Je peux pas en jouer de la guitare là? Non, bon, vas-y, on va pas jouer de la guitare, on va suivre Joël tranquille. Ah, on se sent mieux! On se sent mieux! Un groupe de chatons. Et Joël qui sourit. Ah, c'est beau, c'est beau. J'avais besoin de ça. On avait tous besoin de ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait tous besoin de ça. J'ai envie de fouiller, arrête! Ah! Ah, je suis content! Putain! Yes! Ah, oh, je vous ai tellement saoulé avec ça, dire que ce que je voulais c'était ça. Je suis content! Je suis content! Mes attentes pour l'instant, tout y est là, donc. Merci, monsieur. Attention. T'inquiète! Oh. Ah, pour l'apprendre à nager, peut-être, non? Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ah, puis c'est son sac. Ouais. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, où juste ça? À là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait. Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Mais elle est déjà plus trempée, là? Ça, c'est vraiment un truc qu'ils arriveront jamais à faire, hein. À garder les vêtements mouillés. Enfin, je sais pas, ou alors je vois mal, mais... Non, j'ai l'impression qu'elle est plus... Oupla! La bombe! On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Oh, je suis sûr qu'il y a des trucs à fouiller dans l'eau, mais on va pas le faire avec moi. Là, ils sont trempés. Est-ce que c'est mon prof d'histoire de 6ème qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon.
moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Ah, je suis content. Je suis content. Allez, Joël, on y va. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que j'aime pas quand on est dans l'eau comme ça? J'ai horreur des jeux quand t'es sous. Est-ce que c'est une nouvelle paire de baskets? Est-ce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Viens là. T'as trop bien fait, Joël, putain. Oh ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Alors, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non, attends. Une collection de DVD? Oui. Mais, laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Allez, dis-le! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-la. T'as comment ils ont pu nous faire souffrir comme ça et nous faire replaisir d'un coup? Oh, putain, c'est super. What the fuck, man? C'est magnifique! C'est superbe! Attends, est-ce que la... Ah non, j'allais dire, est-ce que la feuille, elle est juste collée à mon bras comme ça, mais non. Ah si, hein. Putain, les feuillages et tout. Aïe, 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 aïe. Ah bah tiens, c'est un dinosaure. Je crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure. C'est pas normal hein, les gars, je suis content comme si c'était si ça m'arrivait à moi là, c'est putain, j'ai encore des frissons, c'est naps. Je peux pas monter sur le dino? Ah si. Qu'est-ce que tu fais? Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, eh ben justement, évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi, je suis sur un putain de dinosaure. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Ellie, descends. Attends, je vais pas sauter là. Je vais pas sauter là. Je l'ai fait, mais j'étais pas sûr. Oh, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable? C'est incroyable que tu te sois rien cassé. Ah, c'était mortel. Ah, oh, ça fait trop du bien de revivre des moments comme ça, bordel. C'est un naturel du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Non, moi je veux pas d'infecter rien là, je veux juste qu'on kiffe là. Ah non. C'est quoi? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah je suis bête, c'est de ça qu'elle parlait avec quand on est retourné dans la maison de Joël avec les dinosaures et tout. Waouh, génial. Tu veux l'essayer? Pas du tout. Comme tu veux. Oh yeah.
Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Ah, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ah là là. Alors, vous voyez, en fait, moi, j'aurais préféré commencer le 2 comme ça. En fait, comme ils l'ont tourné, c'est encore mieux. En termes de... d'émotion, tout ça, c'est encore mieux. En vrai de vrai, c'est largement mieux. Bien sûr que c'est mieux. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Donc ça, du coup, t'en sais quoi ? C'est juste un an après le premier, alors. Si j'ai bien compris. Je crois. Waouh, un Triceratops. Un Stegosaurus. Et... ah, j'essaie de me souvenir quand j'étais en primaire, on le savait, tout ça. Bah tiens, en fait, c'est écrit. Ok, d'accord. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Putain, je le sens que je suis en train de sourire comme un débile depuis tout à l'heure. Le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Excellent. Excellent. Ah, c'est quoi ? Dimétrodon. Ah ouais, je vois le quoi, je vois le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Je croyais que je vais aller à Jenny puis dire oh Ellie. Le nom Galliminus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde. » C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Ça parle de Jurassic Park ? Yeah. C'est vraiment... Oh, allez, j'arrête. Non, c'est juste que c'est trop bien fait ce qu'ils ont fait, en fait. Jusqu'à maintenant, tu vois, t'es... J'avais la haine et c'est revenu comme... Bon, tu vois, là, ça va mieux, en fait, tu vois. J'ai du mal à passer le cap de la mort et derrière, on te remet ça pour dire... voilà, tu vois, c'est pas finish, quoi. Ils ont dû s'éclater avec la motion capture. Ah, c'est ça qu'on voyait, rappelez-vous un petit peu. On voyait Ashley Johnson jouer avec ça. Et Joël, tu veux pas faire une petite tronche Ah, bordel, ça me fait rire. Ah, ils ont dû vraiment s'éclater. Hein. En vrai de vrai, ils ont dû s'éclater avec la motion capture. Ah là là.
Un peu de joie là, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh, pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Grâce à Jurassic Park. Et lui, on peut pas regarder ce que c'est? Ah, moi, je les fais tous, hein. Ah, il y a notre chapeau, là. Stegosaurus, on avait été le voir. Allez, viens, Joël, viens. On continue. Au musée. Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. D'accord. C'est pas une girafe. Une girafe. Non. Ouais, je trouve aussi. Hey. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois. Mais reste avec nous, putain, reste avec nous. Ah là 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 là. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus... Tonton, Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. C'est un moyen de le retenir, effectivement. Waouh. C'est joli. Alors là, les fusées, elle va être contente, Ellie. Ouais, y'en a une là, y'en a une là. Vas-y, on la prend. Hé, hey, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Je le savais pas, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment là, tu vois, la relation père-fille, elle est là à 1000%, quoi. Ça, c'est archi stylé. C'est archi stylé ce qu'ils ont fait. Trop génial. Il est où le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Il y a quoi par là? Eh, ne pars pas tout de suite. On n'a pas encore fini d'explorer. Ah, bon, d'accord. Oh, ça va, si j'ai plus le droit de regarder.
Ah, je crois qu'il est en train d'ouvrir la porte et de dire bah, tu te fous de moi, Joël, ou quoi là? Oh, cool. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans. Ça sent l'espace et la crasse. Nous avions besoin de ça. Yes. Ça, je peux pas monter. Ah bah si. Wow. Après toi. Sur la tête. Wow. C'est dingue. Oh. Ok. Wow. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la glace. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ça va être quoi comme musique? Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh ben tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Ils vont me faire chialer, ces cons. Arrêtez un peu là. Ah! Hey. Bienvenue sur Terre. Ouais. Ah d'accord. Ce qu'elle a sur son sac.
Pourquoi il montre son gun? Pourquoi la musique change? Pourquoi arrêter, hein? Je veux profiter là. Je veux pas de fight. Je veux rien du tout là. Allez, viens, on y va. Putain, c'est stylé ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Attends. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Bah, j'ai bien une idée, Joël. Il suffit juste de sauter, quoi. Let's go. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. La bombe, la bombe. Hé, hey, Joël. Oh. Geronimo. Génial. Oh putain, il est là. J'ai merdé, où? En vrai, j'ai envie d'aller voir là-bas. Hein. C'est plus fort que moi, mais allez, on se retient. On va à la porte. Voilà la porte, on va à la porte. Eh, hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Ça m'a manqué. Combien de fois je l'ai critiqué dans le premier, les échelles là, mais là ça m'a manqué, bordel. Pas d'infecté, j'espère. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. C'est pas des dinosaures. Putain, je voulais pas de fight, moi je voulais être tranquille. Non, en vrai, ça fait plaisir. Ah ouais, on utilise le mode écoute, ouais, on a peur. Garde le moral, mon vieux. Les loups. Salut les loups. Ok. En voilà un qui en manque de câlin. Ok, bon. On va se concentrer parce que là, il va se passer des trucs. Il fait sombre ici. 4 soldats à l'entrée. Dernier à pleurer. Torturer la femme, elle s'est noyée dans son sang. Ça va, ça fait pas peur. Voilà, voilà. Voilà, on a la pression maintenant. J'avais oublié ça. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger. C'est juste des kits ou molotov. Hein. Ok. T'en as bien beaucoup des bouteilles là. Mettre un terme à la souffrance. Nous voulons rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes. Là... Très bien.
c'est pas Glock, ça va. Oh. On a combien de mines là? 7. Il n'y a pas de lumière, merci. Bon bah on va y aller hein. Putain d'animaux en toc. Putain, je suis peur. Un putain de sanglier. Menteur. Ça, mensonge, menteur. Ellie. Je suis là. C'était quoi ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens? On entend la radio. C'était tellement incroyable. On en avait besoin, on en avait besoin. Je peux pas dire autre chose que ça, c'est qu'on en avait besoin, tout simplement. En vrai, j'ai envie d'arrêter l'épisode là, vraiment pour que ça fasse du bien, tu vois. Que t'as envie de le regarder, que ça te fasse du bien. Et voilà, bref, on en avait besoin. Je peux pas dire autre chose. Je vous laisse là pour ce 7ème épisode. Qui me donne le smile. Putain, j'avais le sourire tout le long là, c'était trop trop bien. Donc je vous laisse là pour ce 7ème épisode et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play tout simplement. Allez, ciao, peace.